qui met une baffe, il me nique la gueule, non? C'est parti! On se barre! Bouh! Ouais, là, elle fait la marque mortelle. Elle fait bien. Juste avant, je dis, ouais, je vais pas trop utiliser, parce que c'est cheaté, ce cri, en fait. En fait, je fais que ça depuis tout à l'heure. T'as raison, vas-y, essaye. Oh, parade. Là, je lui fais du dégât. What? Je crois qu'au final, je vais utiliser un peu plus souvent la marque mortelle. Par contre, les gros ennemis comme ça, histoire de pas me faire d'échec en cas de coup. Et là, je peux pas résister à essayer, sérieux. Bon, j'ai perdu l'aspect draconique, mais c'est pas grave. Là, plus, Fuck! Voilà. Paf. Genre, je suis sûr que je peux l'atteindre. Mais peut-être avec le wound de max. Ouais, vous voyez, ça passe. Il y a une source de magie. Par contre, je suis un peu dans la merde maintenant. Ha! Ouais, non, laisse tomber. Ah, on continue. On ne se préoccupe pas de ces sources-là. Les deux touches apaisant, pourquoi pas, paralysie générale. J'ai déjà la fin. Mais t'en as rien, j'ai dû paumer des trucs, attends. Oh. On va refaire le tour. Attends, la fin du donjon déjà. Toutes ces sources de magie, là, ça m'intrigue. Pourquoi il y a des sources de magie? Ouais. Bon bah... À la limite j'irai voir, hein, mais là... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh boum! Ah, tu te calmes, toi. Bon, c'est pas grave. On va prendre le secret du livre noir. Secret de protection, secret d'arcane, secret de force. Secret de force, c'est attaque puissante, ne consomme pas de vigueur pendant 30 secondes. Ouais. Les sorts ne consomment pas de magie pendant 30 secondes. Ouh. Je me suis dit que la moitié des dégâts pendant 30 secondes. Ah, je prends un peu de magie, tiens. Et vous m'excuserez, mais franchement, je vais juste faire encore un tour. Ça. C'est pas possible que ce soit juste une petite ligne droite, quoi. Forcément un secret caché quelque part. Quelque part, je sais pas où, mais quelque part, c'est obligé. Regardez, genre là-haut, là. Ça ressemble quand même à un pont. Je suis sûr qu'il y a un truc, les mecs. Je vous assure. Dans cette cosse, déjà. Vous voyez, j'avais loupé une cosse. Le mec essaie de se donner une crédibilité alors qu'il est juste paumé.
Enfin, je regarderai. Au pire, je le ferai en neuf. Hein. Je vous montrerai plus tard. Ouais. Bon, mais on va avancer. Au pire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. C'est moi. Ce serait con de louper un truc car qui est... car que voilà, quoi. Bon. Vers Solstheim. S'il te plaît. Mais je crois qu'il me reste qu'un seul livre noir à voir et il est pas dans un donjon normal apparemment. Parce que j'ai regardé un peu où j'en étais dans les quêtes quand même, histoire de voir à peu près combien de temps il m'en restait à faire le playthrough. Je suis pas spoilé, hein, j'ai juste regardé. Je peux pas regarder de quoi ça parlait ni quoi que ce soit, mais... Enfin, je sais qu'il y a 6 ou 7 livres noirs qui sont hors scénario. 6 j'avais plutôt. J'en ai chopé la plupart. Oula. Prêt à s'ébarrer, évidemment. Putain. Bon, bon, on se barre. Hein. Oula, oula, oula. Ah, du Stalheim. Oui, mais non. Ah oui, en effet, c'était pas loin. Du coup, on remonte par où, par là. Et j'ai envie de continuer la quête principale, en fait, un peu. Pas la finir, mais faire la voie de la connaissance. Parler un peu à Nelot, parce que c'est un type que j'aime bien, Nelot. Ah, c'est un enfoiré. Mais je l'aime bien. On va aller voir Nelot, on va voir ce qu'il a à dire. Parce que nous, je pense qu'il y a quand même des quêtes à nous proposer ou de ce genre de choses. Donc, ce serait bien d'avoir éludé la partie qu'il y a avec lui avant de finir la quête principale, pouvoir faire les quêtes secondaires, etc. etc., etc. Mais il fallait apprendre à l'aider des mensonges, les secrets des complots. Il s'amuse donc à s'amuser. Frère a péré apparu, mais bon, si je fais un voyage rapide, elle va arriver de toute façon. Depuis la pierre du soleil, je vais voir les châssiers démarrer, pas le marin blair. C'est temps de chargement. Je disais donc, c'est temps de chargement. Allez, dépêche-toi. Bon, ce champignon Telvanni, il est sympatoche. C'est vrai qu'il y a un génial, mais bon, il y a le volcan qui dresse, ils sont en train de voir de faire récemment, en train d'éruption dépassant le pays. C'est vrai. Je confirme. Merci. Bon. Par contre, excusez-moi, je reviens.
Alors eux. Allez. La carte du soleil, oui, j'ai déjà pris. Donc, je vais juste aller voir le marron bleu. Les chasses et les mariés, je n'ai pas dit marron bleu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, franchement, j'aime pas ce nom. Hein. Salut. Regardez. Ah, t'as des trucs à vendre. Alors, ce que c'est. Pourquoi pas. Cosse cendrée, je vais être de cendre. Moelle, d'hiver, charbon de bois, crochet. Zigzag. On va le prendre, ça servira sans doute un jour. Bon voyage. Et on va attendre qu'il fasse jour aussi. Ah, c'est mieux là. Ce champ de champignons, quoi. Nous recevons rarement des visites. Ah, salut. Vous cherchez quelque chose? Quel est cet endroit? C'est le domaine de Maître Nelot. Vous avez peut-être entendu parler. Tu m'excuseras. Eh, je peux pas visiter un nouvel endroit comme ça, toi, tu... Ah, bordel, c'est dragon. Je vais crever, encore une fois. Putain de ponction de vitalité, c'est chiant. Ah là là, là là. Je sais pas, même pas chanter. Alors un dragon en légendaire, ce que ça donne. Aïe! Et même en parade, il fait mal. Hein. Reste seul. Non, pas de gagne là. Oh, je le maîtrise ce pop dragon. Rien compris là. Blah. Bon, ok, je maîtrise pas totalement non plus. Ah, il fait mal. Ça prend un peu de vigueur par contre. Bref. Vous êtes moche, vous n'avez pas le droit d'exister. Tes cousins, ils sont beaux, toi tu es moche. Ouais, la ponction de vitalité, là, on va se reculer. On va prendre l'arc. Pas avec l'explosion, sinon on va me gueuler dessus. Ok, on peut retourner. Voilà, il est à terre. C'est vrai que Lydia lui fasse un finish, ça. Allez Lydia, je t'aide. Vas-y, fais-le toi. Combat Lydia versus dragon, c'est épique. Ok. Non. Non. Non plus. Non plus. Allez, vas-y, Lydia. Bon, bah, Freya, vas-y. Ouais, Freya. J'ai jamais vu certains faire des finish moves toi, sur des dragons, alors j'aimerais bien voir ça. Elle prend ton épée Lydia, t'es pas con. Bon, dommage. Ah. Donc,
Moi, je visitais la ville à la base. Ah, t'as des champignons. Elle est passée où, la dame? Elle est pas morte, j'espère.